et à ce que tu as un don Dieu, tu as cru, tu donnes, oh Seigneur, qu'est-ce que tu te refends? Aussi, soit aussi assoulagé, je disais comment? J'ai pas réformé les temps. Voilà, on y va, venez à l'hôtel, le pavillon. De toute façon, là vous êtes là, votre cœur, c'est votre hôtel. Vous la préparez? Quand on t'emmène là-bas, c'est pour que la question de justifier simplement la gamme. Pour faire la deuxième action. Mais la première action qui a l'importance, c'est parce que quand tu as entendu la parole, ça t'a culpabilisé. Voilà. Ça t'amène à faire des détours. Ok? 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 Voilà. Vous êtes prêts à confesser que vous avez tort et que vous n'appuyez pas sur votre propre mérite, mais sur l'œuvre qui l'a accomplie. Et vous êtes prêts à avancer. Amen. Et avancer. Pour porter son nom dans le baptême d'eau. Et vous êtes prêts à. Ça, c'est la deuxième action. Hein? La deuxième action. Il va bien jouer. Devenir. La comprise. Et de bien, voilà. Vous êtes prêts, je dis où là. Et vous êtes prêts à avancer pour porter son nom dans le baptême. Et à devenir membre du corps. Et puis, c'est la troisième action. C'est la troisième action. Voilà. À devenir membre, parce que c'est le baptême du. Voilà. À devenir membre du corps de Christ. Il dit alors. La pièce pour les femmes est à droite. Et la pièce pour les hommes est à ma gauche. Les habits et tout est prêt. Ils vont aller là-bas pour prendre les habits afin d'entrer dans le monde. Mais la répondance est faite bien pour nous souffrir. Est-ce que c'est bon? Amen. Que Dieu bénisse. On acclame le Seigneur. Un procès. Un procès. Prêchez les 12-84. Un procès 12-84. Le paragraphe 1067. Il dit. Vous avez confessé. Que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ensuite. Et allez à la piscine. Et ensuite quoi? Allez à la piscine. Le baptême. Et ensuite, allez à la piscine. Ensuite, vous pouvez dire une seconde. Une seconde chose. Une seconde action. Et ensuite, allez à la piscine. Pour être baptisé. Ou au ruisseau, à la rivière, ou peu importe où c'est. Quand vous êtes baptisé, tout ce que le prédicateur peut faire, c'est prêcher la parole. Et vous, vous la croyez, vous êtes baptisé pour la rédemption de nos péchés, ressuscitant. Dans une nouvelle vie. Alors la façon dont vous agissez, à partir de là, si vous avez réellement accepté Christ, pas que Dieu vous compte. Shalom. Shalom. Je n'ai pas encore fini. Amen. Prenez avec moi Israël. Shalom, laisse-moi dire paix. Amen. La paix de Christ. Voilà. Les choses qui vont arriver. Péché, les 5, 12 et 65. Le paragraphe 63. Bon, je fais ça pour récapituler ça. Vous qui avez les brochures là-bas, vous prenez le tournement pour gagner les temps. C'est un paragraphe aujourd'hui dans la compagnie. Il parle un peu de l'autre là, de la terre et tout ça. Tout le monde, la baptême de feu, tout ça. Je vais passer ici juste pour venir au baptême de baptême de l'autre. Puis ça gagne un peu de temps. Donc, c'est on peut venir en haut, il y a rien là-bas qui est dans une qui est l'autre là. Qui est contradictoire, c'est qui m'a dit en bas ici là. C'est un long paragraphe. Il dit. Voilà. Vous commencez mon péché. Il te fout dans le tous les paragraphes, non? Il peut ça. Ce soir trop vite. Vous commencez vos péchés, vous commencez vos péchés devant Dieu. Amen. Devant
enfants de Dieu. Amen. Et il vous pardonne. Et il vous a pardonné. Et vous avez été baptisés. Pour montrer que vous avez été pardonné. Donc le péché sont confessés devant Dieu. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh, c'était réglé. Mais c'est dit non. Amen. Vous confessez, vous pour montrer que vous avez été pardonné. Vous confessez devant les gens. Et pour montrer qu'au monde que vous avez cru que Jésus est mort pour vous et que vous qu'il a pris votre place et que maintenant vous êtes à sa place à lui. Il est devenu nouveau pour que vous puissiez devenir riche. Alors la puissance du sang de Dieu qui sanctifie et nettoie votre vie et toute mauvaise habitude. Avant vous fumiez, vous viviez, vous faisiez des choses qui ne sont pas justes, vous mentiez et tout. Alors la puissance sanctificatrice du sang de Jésus-Christ entre dans votre vie. Elle ôte toutes ces choses de vous. Si vous avez si quelque chose est allé de travers, vous devez me dire. Amen. Un instant. Excusez-moi. Je ne voulais pas le dire comme ça. Le diable avait préparé un piège là. Mais vous avez la grâce pour revenir. Si vous étiez un chrétien, en disant, j'ai tant. Yes. Bon. Maintenant, qui est l'interprète qui vole la Bible? C'est William de Yahweh. Amen. La colonne de feu au travers de l'Église. Dieu peut voler. Frère Banam dit que la colonne de feu, quand elle est venue la première fois, c'était pour écrire l'Ancien Testament. Quand il vient pour pardon, c'était pour écrire le Nouveau Testament. Quand il vient par William Branham, c'est pour interpréter l'Ancien et le Nouveau Testament. Bon, quand Branham a parlé, il faut qu'on place l'écriture de Matthieu dans ce que Branham a dit. Il n'y a pas de frère ce soir. L'écriture qui trompe les gens là. Il faut que ça cadre là. Parce qu'il n'y a pas de frère la parole de frère Branham. À la fois, il septième ange. Quand il sonnera de la trompette, quoi, tous les mystères seront révélés. Seront connus. Donc je ne peux pas prendre une écriture biblique isolément. Si je prends ça, ça doit cadrer avec les plans que William Branham m'a apporté. Maintenant regardez, rien. Pour commencer, rien n'est dit en Matthieu 3, 11, que les gens confessent l'eau. Rien n'est dit ça. C'est juste avant de lire. Rien de ça. Rien. Je n'ai pas dit là-bas que. C'est pas ça. Il venait là où j'en prochais ça. C'est vraiment ça. Les gens de tout le monde venaient écouter Jean. Il venait là où j'en prochais. Donc, quand vous lisez, vous allez voir, vous venez. Vous allez voir que c'est comme ça, on brille comme ça. Mais quand vous prenez les plans que j'ai montrés par William Branham, c'est quoi ces étapes-là, la réponse, vous allez voir que ça va s'écarter là. Il y a qui veut venir. Amen. Le livre de l'homme, c'est comme Jean et dans le nom, ils sont venus venir sur une confusion. Vous venez, hein, parce que Jean était en train de prêcher dans le désert. Prédicateur. Amen. Amen. Il dit, écoutez, c'est ici que sort l'histoire des confessés. Il sort.
C'est ici. Non. Que ça sort. Voilà, nous a dit que ça sort. J'ai pensé à la. Ah, fou, là, bah, là, à la réunion. Mais c'est ici que ça sort. Même moi, c'est ici, c'est ça que je prenais, frère Patrick, à l'époque. Comme son aimant. Comme ton procès. Non, pas que Branham avait dit ça. Moi-même. Moi aussi. Pas Branham. Branham, c'est. Amen. Amen. Prenons avec moi. J'ai dit que tu vois, dans cette époque. Il dit. En ce temps-là. Paris Jean Baptiste. Prêchant. Hein? Prêchant. Dans les déserts des Judéens. Donc il parie Jean Baptiste. Prêchant. Dans le désert de Judéens. Il disait. Répondez-vous. Car le royaume de ceux est. C'était quoi? Pendant qui? Répentez-vous. C'était quoi? À sa prédication. Répentez-vous. C'est ce qu'on se dit. On va dire, les gens venaient à lui confessant. Parce que vous allez voir, un fois maintenant, quand tu en parles de la confession, il confesse la confession dans la repentance. C'était un retour. Donc les gens venaient là, c'est ce que lui prêchait la repentance. Il prêchait la repentance à ce peuple qui consistait à croire en celui qui devait venir après lui. C'était une prédication qui donnait. Et les gens venaient s'en écouter. Ils répondent vous quand on se proche. Le roi de ceux, c'est Christ. Amen. 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 Et Jean est celui qui avait été annoncé par les prophètes. Le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de ceux qui crient dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Après cette chanson, ça c'est la promesse. Amen. Amen. On va verset 4. Ok. Jean était. Et avec un vêtement de poil. Les chameaux. Il se tient de cuir autour de ses reins. C'est pas les filles d'un. Mais vous savez. Le premier verset là-bas et le deuxième. Vous savez. Il s'est nourri de cette oreille. Et dernière sauvage. Et elle est habitante. De Jérusalem. De toute la Judée. Et de tout le pays de l'Europe. Du Jourdain se rendait auprès de lui. C'est vrai que là où il est, prêché. C'est vrai qu'à là, à la réunion. C'est quoi ça? C'est à la réunion. Voilà la réunion, on va placer ça dans la vision du 7e ange. Amen. C'est en auprès de lui. Auprès de lui. En confessant. On n'a pas dit la veille comme ça. On dit, en confessant leur péché, en se répandant, ce n'est pas à tout. Après une forte prédication, il s'est dit, il y a un oh Seigneur, même si vous venez au pasteur, non, vous prêchez moi, s'il vous plaît. Oui, mais quand la parole te touche, on s'incline dans ton cœur. Oh Seigneur, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas ça? Même si tu as dit d'avoir le pasteur, ne pas aller pour tes enfants, c'est ça. Mais dans ton cœur, quand la parole est toujours obligatoire, il faut que tu sortes de là. Sinon, ça serait dans la religion. Tu viens dire la mort dans ton cœur, l'oreille est bien parce que tu as écouté ça. Merci. Ça va le commencer dans ton cœur. Donc, il faisait là, confessant un péché. Il s'est fait baptiser par lui dans le Jésus. On ne dit pas que. Vous comprenez? Ils n'ont pas dit ici qu'ils confessaient le Jésus. Ils confessaient le Jésus. Il se faisait par la couche de moto. Maintenant, quand tu lis ça, toi, comme tendance, tu as des pensées que ça c'est pas de nous. Amen. Mais c'est pour ça qu'il dit là. Voilà. Toi, tu n'as pas dit qu'il confessait un péché dans le sang. Ça, c'était la chouque. Amen.
Mais ils sont venus à la réunion. Les gens sont venus auprès de lui. Confessons-les. À quel moment la prise avait entendu. La prédication. Il est à madame à tous les gens. Amen. Voilà. C'est un ange. Voilà pourquoi. J'ai un principe. Mais quand j'ai lu, si je n'ai pas vu par la ministre, mais comment je vais comprendre ce que je veux dire? Je me sens, je crois que c'est la parole. Je crois que c'est la vérité. Mais moi, je ne rentre pas là. Il faut qu'il trouve où la mouche en a parlé pour éviter que je fasse des interprétations particulières. Des interprétations particulières. Nous avons dans sa plénitude, venu par la bouche de Dieu, madame. Je n'ai pas envie de ces interprétations particulières. Amen. Quand je lis, je dois prendre dans l'interprétation. Amen. Parce que Dieu a dit que celui qui le fait interpréter ou par lui, vous la vie devait être déclenché de nouveau. Pas par moi. Sinon, je vais me tromper. Dès que là, on s'est trompé. Ah, c'est on s'est trompé. Je crois que c'est une leçon. Mais, frère, madame, a démontré que l'importance s'est faite au lieu de la réunion. Donc, elle a répondu les gens. Des gens qui ont fait ici, là. Ça s'est passé à la réunion. Là où j'ai prêché. Et il s'est passé. Mais la réunion s'est passée là où j'ai prêché. Parce que, regardez, même quand ils sont là. Vous pouvez pas voir même la démarche qu'il y a là-bas. On voit pas ça. On nous a dit souvent les récits. Mais le moment où les gens viennent confesser, et les gens ils vont au Judée, parce que le Judée était encore un peu plus écarté. Vous connaissez pas cet état. Mais quand vous lisez, vous allez comprendre, c'est comme si il y a un prêcheur qui est dans le Judée. Mais on est qui prêche le désert. Amen. Amen. Jean-Baptiste Marie dans l'heure. C'est pas ça. Vous dites non. Périchou, c'est pas ça. Amen. Mais comment voilà. Amen. Mais comment les livres dans le roi sont aussi. Donc il passe là. Avec la loupe là. Dans le Jourdain ou le Jourdain, là, c'est ça que moi. C'est quoi c'est topic. Amen. Et Dieu me dit. Amen. La frère Patrick, on réclame le Seigneur. C'est une très bonne question. Une question capitale. Tu vas vous aimer ça. Amen. On réclame le Seigneur. Il se faisait baptiser par lui dans le fleuve qui chutait. Amen. Il se faisait baptiser par lui. Donc il venait confesser un péché et se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. On n'a pas dit qu'ils sont venus là-bas. Ils sont venus avec péché. Ils s'est rendu auprès de nous. Ça commence par le haut là-bas, on dit que en se tenant par les gens baptisés. Péchant dans le désert. Les gens se rendaient auprès de lui. Parce qu'il avait la parole pour ce jour-là. Et après, il s'est touché par la parole. Ils ont confessé. Et puis, on devait les amener dans le jour du Jourdain. Shalom. Que Dieu vous comble. Amen. Que Dieu vous soutienne. Amen. Que nous soutiennent tous. On va se mettre pour nous. 19h06. Oh, c'est comme si les peuples ont mis tout à l'heure. Le Dieu est venu avec le plaisir. Louis Seigneur, seul le cœur, mon chemin. Sa parole, sa parole. Seigneur, oh le Seigneur, le Seigneur, Seigneur, donne mon chemin. Sa parole, sa parole. Seigneur, oh sa parole.
Nous vous nettoyons, vous purifiez, vous purifiez par la